Voilà, donc Céramis, donc, c'est une petite maison d'édition qui existe depuis 2016, enfin une grande, hein, bientôt, j'espère en tout cas. Donc on fait essentiellement des témoignages, des parcours de vie, des réflexions sur la vie. Et quand Zora m'a proposé cette idée qui est venue donc, de l'affaire Mila, qui a été finalement une espèce de coup de trop, si je puis dire, j'avoue que j'ai réfléchi au moins 48 heures. Parce que être éditeur, bah, c'est prendre des responsabilités. Il peut avoir des conséquences positives, j'espère, mais négatives aussi, malheureusement. Encore en 2020, on ne peut pas publier ce qu'on veut librement. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui me faisait hésiter, c'était la peur. Parce qu'on n'en a pas parlé ce soir, la peur. Tous ces gens qui finalement grondent silencieusement. Et bien finalement, c'est la peur qui les empêche de parler, de se soulever, de dire « stop, là c'est bon, on déraille complètement, on est en France, il y a des lois, on les respecte, on est libre, la laïcité disparaît ». Vous en parliez tout à l'heure, c'est presque obsolète comme mot. La laïcité, c'est… Non. Je pense qu'aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure aussi, monsieur le ministre, il n'est pas trop tard. Je suis peut-être optimiste. Et je pense que c'est important pour avancer, d'être optimiste. Je pense qu'il n'est pas trop tard. Et c'est avec vraiment émotion que je vous remercie, parce que rassembler en moins de 15 jours 50 textes, bravo. On a reçu un bravo. On a lu. Quand même. On vous fait confiance, mais quand même. Qu'on a corrigé, que vous avez modifié, que vous avez validé, en moins de 15 jours, il faut le faire. Merci aussi à notre diffuseur, Erol, qui a joué le jeu, parce qu'il faut savoir quand même, un livre est publié quand même en 6 mois, là c'était en moins de 2 mois, donc merci aussi à toute l'équipe. François Saint-Exupéry. Bravo. Et qui réveille la conscience de chacune et chacun. Parce qu'on est maître de ce qu'on pense, on est maître de ce qu'on dit, et je pense qu'on peut encore le faire et le dire. Merci. Merci.